Bonjour, dames et messieurs, bienvenue dans la meilleure émission qui décortique l'actualité people ici et d'ailleurs. Vous êtes bel et bien dans le Fafa, votre émission préférée. Alors, vous recevez votre humble serviteur que je suis comme d'habitude, Serge Dufalé, la légende. Elle est de retour depuis un bon moment, elle nous a beaucoup manqué. Bon, il fallait aussi qu'elle aille s'occuper aussi de tout ce qui est familial. Vous avez su un peu ce qui lui est arrivé. Aujourd'hui, elle est de retour, elle nous revient en pleine forme, avec beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus de tonus. Alors, recevons la célébrissime, la charmante Chola. Mouah, bonjour à tous. Bonjour, le S. Dufalé. Ça va? Ça va, ça va. Tu nous as manqué, hein? Bah, vous m'avez manqué aussi, hein. Bah, bon retour, alors. Merci beaucoup. Ok. Alors, dames et messieurs, comme à pour habitude aujourd'hui, nous allons faire une sublime émission parce que le but aujourd'hui du Fafa, c'est de vous donner des belles émissions avec du tonus, avec de bons contenus et beaucoup de choses croustillantes. Aujourd'hui, nous recevons quelqu'un de très particulier pour cette nation parce que son petit-fils fut une légende dans cette nation. Dans le domaine mouvement musical coupé-décalé, il a laissé ses empreintes, son impact sur toute une génération. Aujourd'hui, il n'est plus, mais les choses continuent de fonctionner tant bien que mal avec beaucoup de choses qui se passent à gauche et à droite. Il y a beaucoup de questions le concernant aujourd'hui sans réponse. En concernant aussi ses œuvres et tout ça, et aujourd'hui nous avons décidé d'inviter quelqu'un de très particulier qui était très cher à notre illustre disparu. Quelqu'un qui était, comme il le disait pour, dans lui-même, qui était comme son étoile. Quelqu'un qui était la seule personne qui était capable de lui parler afin qu'il puisse vraiment s'exécuter sans vraiment discuter. Aujourd'hui nous recevons dans le Fafa, un Fafa inédit, nous recevons la mémé, la grand-mère d'Andy Lou, la mémé de feu DJ Arafat. Bonjour mémé. Bonjour mon fils. Comment va la mémé? Ben, grâce au Seigneur, la mémé va très bien. Bon, la mémé, c'est quoi dire le secret de la jeunesse? Parce qu'on te voit encore toute fraîche. Hein? tu es la maman de Tina Spence, la grand-mère de Didier Arafat. Mais quand on te voit assis devant nous ici, on pense que bon, les petites filles, la même, tu peux lutter encore, hein? Elles s'épuisent. Elle est bien conservée, hein. Mais bien sûr. Elle va nous donner le secret, hein, mémé. C'est quoi le secret? Le secret, c'est le cœur. Il faut avoir un bon cœur. Ok. Il faut créer un environnement positif, d'accord, pacifique, l'harmonie, éviter la colère, les problèmes, il y en a tellement. Ouais. Il y en a tellement, il ne faut pas s'en fier. Okay. Il faut croire en Dieu. Quand on croit en Dieu, il faut suivre les paroles de Dieu. Parce qu'il a dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. C'est ça. Et Jésus-Christ lui-même, il a été au centre, n'est-ce pas, de toute forme d'épreuve. Si nous voulons tenir compte de toutes les épreuves autour de nous, nous nous détruisons. Ouais. Vivre dans la foi, la pureté du cœur. Il faut éviter le mal. Il faut vraiment t'éloigner de ça. Des sentiments négatifs. Mais voilà, c'est le milieu dans lequel nous sommes là. C'est pas facile. C'est un milieu assez abracadabrantesque. C'est ça, oui, aussi, hein. Souvent, je dis à ma fille, Tina, oui, j'ai dit, le silence, c'est l'arme la plus fatale. Des forts. Ouais, surtout des forts. L'on semble que c'est pour... mais c'est l'arme des plus forts. Ouais. Et c'est l'arme la plus fatale. Mm-hmm. Parce que si on veut suivre, on a des ennemis par-ci, par-là. À tous les niveaux. Mais si nous voulons suivre tout ça, ben... on les rend heureux, on leur donne la victoire, parce que c'est ce qu'ils c'est trouvent. Ce qu'ils recherchent. Et moi aussi, c'est là aussi ma force. C'est ça, parce que quand ils parlent, tu ne leur réponds pas. Devant une forme de calamité, ouais, c'est le silence. C'est ça, parce que ça les rend petits. Voilà. Oh, le silence, ça nous grandit. Ouais, c'est ça mon secret aussi. Déjà, Mémé Dondilou, merci d'avoir répondu à notre invitation. J'aimerais savoir, quels sont aujourd'hui tes rapports avec ta fille, Lady Glamour, hein, plus connue sous l'appellation de Tina Glamour. Est-ce que vous êtes en de bons termes en ce moment ou ça ne va toujours pas? Permettez-moi, avant d'entrer dans le but de notre présence ici, vous remercier pour l'honneur que vous me faites
que vous faites à travers moi, vous honorez la fondation Arafat Didier et vous l'honorez. C'est un grand hommage que vous lui rendez en m'invitant sur votre plateau. Ben, je souhaiterais, si vous me permettez, avoir une minute de silence en sa mémoire, puisque c'est de lui qu'il s'agit. Donc un respect d'abord à lui. Bien, je vous remercie. Merci. Et permettez-moi également de... J'ai une dame qui a vécu ce que j'ai vécu. Une grande mère qui était très attachée à son petit-fils. Et elle a perdu aussi son fils dans des conditions vraiment tragiques. Cette dame, il s'agit de... Basée Thérèse, la comédienne. Oui. Je m'excuse si je déforme un peu votre nom. C'est une dame que j'admire beaucoup. Okay. Ben, je crois que c'est l'année dernière. Elle a été brisée comme moi par la mort de son petit-fils. Et quand je l'ai vue, ma foi, hein, j'ai ressenti tout ce qu'elle ressentait. Et je sais qu'elle est marquée à vie comme moi. Donc, j'en profite pour lui présenter mes sincères condoléances à elle aussi bien qu'à sa famille. Mm-hmm. Voilà, c'est très important. Et je souhaiterais d'ailleurs la rencontrer avant mon retour, afin de lui présenter mes sincères condoléances de vie ou voix. Et je voudrais également présenter mes sincères condoléances aux familles de tous les Chinois d'ici et d'ailleurs, qui ont été également marqués par les décès des êtres chers de leur famille. Et puis aussi, sans toutefois oublier, cette jeune dame en la personne de Love Gugu, qui vient de perdre aussi son fils. Hein. En voyant son fils si gai, si bien portant, ça me fait penser au mien, mon petit garçon. Donc, je lui présente mes sincères condoléances aussi bien qu'à sa famille. Concernant cela, on a vu Tina qui a fait un post justement concernant le décès du fils de Love Gugu. Un post qui a été viral sur la toile où elle dit que voici une dame aujourd'hui qui vit ce que j'ai vécu et qui se rend compte de ce qui est quand on a une douleur. Il ne faut pas user de ça pour proférer des paroles sur la personne. Et bon, le post a été repris par beaucoup de personnes, tant bien que mal. D'autres ont apprécié, d'autres n'ont pas apprécié. Et, alors, qu'est-ce que pense maman de ce post? Ben, vous savez, le malheur est unique, hein? Le malheur est comme le vent. Lorsque quelqu'un se trouve en malheur, se trouve dans une situation pareille, on n'a pas besoin que la personne soit un parent ou quoi. C'est un fait de conscience. Donc, bon, elle a intervenu dans ce sens-là. Bon, elle a ses raisons. Bon, moi, comme j'ai l'habitude de dire, hein, je présente des excuses aux personnes qui ont été offensées par rapport à ça. Et puis, on move on. Voilà, pour preuve, je suis là. Et, j'ai été touchée. Je viens de présenter mes sincères condoléances aux différentes familles de tous les Chinois, aussi bien qu'un peu partout. Vous savez, parce que nous, famille d'Arafat, nous devons à tout le monde. Pourquoi? Parce que lors de son décès, c'est tout le monde qui s'est mobilisé. Enfants, c'est le monde entier. Pour preuve, chaque année, il y a des gens qui continuent de pleurer. Quand on parle, on est encore choqué. Je pense qu'on devrait avoir un peu de... On devrait être beaucoup plus calme. Et puis plutôt inviter le monde. Nous devons, personnellement, je me dis que nous devons. Parce que beaucoup plus de compassion. Beaucoup plus de compassion parce que... Tout le monde a compati à nos peines. Mmh. Et continue, parce que je reçois des appels depuis les États-Unis. Et c'est la même chose. On continue de pleurer à la Arafat. En tenant compte de ça, je pense qu'il faut toujours s'imprégner de tout ce qui se passe autour de nous. Ok, alors, Shula. Voilà. Justement, je reviens à ma question. Hein. Quand on a vu la sortie de Tina Glamour, quelle est la relation aujourd'hui entre Mémé Dandilou et sa fille? Bon, ma fille et moi, bon, il y a eu des périodes, des moments d'incompréhension. Je dis que c'est des moments d'incompréhension. Okay.
beaucoup de choses. Je ne peux pas rentrer dans les détails et je ne suis pas sur votre plateau ici pour parler de ça. Vous savez, elle est mon enfant, c'est tout. Et puis, il y a eu beaucoup de choses. Et même dans le cadre de la création de la fondation, il y a eu beaucoup de choses. Donc, on n'en parle pas. Même pour l'heure, ça va. Il n'y a pas de... Je suis arrivé cette fois-ci, ça va. Ça va. Et mon souhait serait que ça aille. Ma fille et moi, il n'y a jamais eu de sérieux problème. Mais je considère ça comme des incompréhensions. Et puis, une mère, c'est une mère, comme je n'ai cessé de le dire. Être une mère, c'est d'abord une science. Et c'est un art. Okay. Savoir tolérer. Ton enfant est bon, il est mauvais, il est ton enfant. Est-ce que tu peux rejeter ton enfant? Tu es allé à l'hôpital avec les autres femmes, elles ont mis des enfants normaux au monde. Et puis toi, tu mets un monstre pendant que les autres fuient. Est-ce que tu peux fuir? Non. Tu ne peux pas fuir. C'est la chair de ta chair, quoi qu'il en soit. Mm-hmm. Mais ce qu'elle fait, qui frustrent les uns et les autres, je sais... Je rentre en contact avec les gens pour calmer les esprits et tout. Mm-hmm. Donc, voilà, je dirais que ça va. Mais justement, on a l'impression que dans cette famille, il y a un dysfonctionnement, dans le sens où Tina clash des fois mémé, Tina clash l'oncle Marc Zoppo. Qu'est-ce qui constitue réellement le problème? On a l'impression que vous ne vous entendez pas du tout. Bon, comme je vous l'ai dit, je ne suis pas venu, je ne suis pas Marc Zoppo. Un problème de famille, c'est un linge sale. Mais ça se lave. Le problème, c'est que c'est italien. Ça se lave plus. Oui, mais ça, c'est à leur niveau. Ça, c'est à leur style. Moi, je ne suis pas de leur génération. Ouais. C'est ce qu'il faut retenir. C'est vrai. Je ne suis pas du tout de leur génération. Je sais qui je suis. C'est leur, je ne sais pas comment il faut dire ça, c'est leur milieu, c'est leur manière l'évolution technologique. Mais moi, je pense qu'il doit y avoir des modérations. Voilà. Ouais, parce que la famille est sacrée. C'est ça. Nul n'a le droit d'aller exposer sa famille. Ouais. Moi, je leur en parle beaucoup. Je vais sur ça. Mais vous savez, les enfants, quand ils grandissent, tu ne peux pas les maîtriser. Hein. Donc, Marc Zoppo, il n'est pas le seul dans ma famille. Hein. Il faut rappeler que Marc Zoppo, c'est le petit frère de Mémé, c'est ça? Il est le seul qui fait ça. Hein. Mais c'est pas petit frère, non, Mémé? Oui, mais c'est pas l'ensemble de la famille. Personne ne partage à part Tina, avec lui. Mémé a combien d'autres enfants? Ça, c'est une belle question. Oui, parce qu'en fait, Mémé... En fait, on ne sait pas, on connaît que Tina. Le truc, c'est que Mémé... Moi, souvent, je suis assis, je regarde tout ça. Mais moi, il y a des choses qui me trottinent dans l'esprit. Je m'assois, je dis... Oui, laquelle? Est-ce que Tina est la seule enfant de Mémé Dandilou? Oui, elle a des frères et des sœurs. Ben, Mémé Dandilou a eu 5 enfants. Bon. Oh, d'accord. Il y a 5 enfants. Voilà. Et j'ai élevé 5 autres enfants, mes nièces et neveux. Donc, au total... 10 enfants que j'ai eu, je peux dire, que j'ai éduqué, élevé. Depuis tout petit, ils sont aujourd'hui grands. Mm-hmm. Certains sont en France, un peu partout. Et ils sont là. Ils sont là. Donc c'est Tina seul. Ils sont là. Qu'on attend. Sinon les autres sont là. Ils sont là et vous n'attendrez jamais personne. Et donc c'est elle seule, c'est bon. Voilà. Donc voilà. Mais c'est qui dans ton cœur que tu as dit là? Faut dire. Non, en fait, c'est trop. Ah, il y a trop de choses en fait. Il y a trop... en donc, fait et puis elle n'est pas mon aînée. Hein. Ah, bon, d'accord. En fait, c'est elle a la cadette. J'ai senti que c'est même pas d'abord, Tina n'est pas l'aînée. Je le sens déjà, tu vois. Elle n'est pas l'aînée. Donc, quand Mémé parle, elle dit, tu n'attendras pas les autres. J'ai dit, bon, ok. Non, ben, écoutez, elle n'est pas l'aînée, elle est la cadette. D'accord. Elle a sa soeur aînée et elle a la autre. Alors, donc, si je comprends bien, en temps normal, c'est Tina qui vous a rejoint aux États-Unis. Ben, ce problème-là, bon, je vais l'éclairer. Elle ne m'a pas rejoint aux États-Unis. Ok. Tina, quand on allait aux États-Unis, elle avait 2 ans. Oui. Et sa grande sœur avait 3 ans et demi. Mm-hmm. Leur père y était, et puis on est parti. Hein. C'est là-bas qu'elles ont commencé leur kindergarten. Comme kindergarten, c'est le jardin d'enfants, je crois. Ouais, kindergarten. Voilà, c'est là-bas. Hein. Donc c'est là-bas qu'elle a évolué à l'école, au lycée français de New York. Mm-hmm. Voilà, et puis bon, 2 ans, on revient ici, elle avait déjà 17 ans. D'accord. Voilà, puis elles ont repris les études
au collège moderne du plateau. Donc Tina revient des États-Unis avec, je dirais, son adolescence formée là-bas. Voilà, donc voilà. Elle vient avec sa gamme. Voilà, c'est un peu ça. L'américaine dans la L'américaine dans la tête. Voilà, c'est un peu ça. Parce qu'il faut dire les choses. De deux ans. Voilà, deux ans. Jusqu'à 17 ans. Voilà, elle fait 15 ans. Et on parle de l'adolescence. L'adolescence, c'est à ce niveau que l'intégration. Et puis, mes autres enfants sont nés là-bas. Grandi quand on... C'est arrivé ici quand on est revenu. Et puis, bon, on a eu trop de mal. J'ai eu trop de mal pour l'intégration. Les enfants qui sont nés à l'extérieur et grandis à l'extérieur, quand vous arrivez, la mentalité n'est pas la même. Si je veux vous raconter les mésaventures que j'ai eues, ben, on ne va pas s'en sortir. Donc, on va laisser les mésaventures là. Donc, en fait, il fallait qu'on touche un peu ce côté-là de la Alors, vie. Quand j'attends, j'entends parfois que oui, elle était aux États-Unis, elle a été, je crois que rapatriée, elle a été ceci, c'est archi faux. Ça, c'est faux, on est rentré normalement. Non, ouais, donc, vous êtes parti normalement, elle est revenue normalement. Bon, on rentrait, elle est rentrée, puis elle a repris, elle est sa grande sœur. Mais qui est l'oncle du port de Tina, l'oncle Monsieur Zadimir? Bon, moi je pense qu'on n'est pas venu pour ça. Tout ça, c'est son oncle paternel. Ah, d'accord. On est là Depuis des années, on a ce nom-là en tête, on veut bien savoir donc, qui c'est. On est là sur ce plateau pour parler de la fondation et... Oui, mais effectivement, on va parler de la fondation, mais non, non, c'est très important. C'est important. C'est très important. En fait, on va rentrer oncle, dans. Mémé, vous savez, on connaît vos enfants, on connaît vos petits enfants. On vous voit sereine, on vous voit assez calme. Les gens ont besoin aussi de vous connaître. Pas ses enfants. Non, voilà, on connaît un de ses enfants. Voilà, parce qu'elle a bien dit qu'on va pas entendre les autres. On va voir les autres. Et je suppose que vous avez encore d'autres petits-fils. Oui, bien sûr. J'ai des grands-enfants. Vous avez des grands-enfants qui ont des enfants. J'ai des grands-enfants qui sont, je crois, j'en ai près de 8 ou 9. Hein. Voilà. Les autres sont là et tout, et ici, et comme aux États-Unis. C'est ça. Voilà, ils sont tous là. Voilà. Et quand on pose ces questions, parce que peut-être les gens se disent que bon, attends, c'est Tina Glamour, c'est DJ Arafat. Mais non, il y a des gens qui ont envie de savoir, est-ce qu'il y a d'autres personnes? Donc, c'est un peu tout ça, en fait. Pour que les internautes aussi, ils apprennent à vous connaître aussi. Parce qu'aujourd'hui, on va dire que vous êtes la présidente et vous êtes celle qui s'occupe de la fondation de Feu DJ Arafat. Après aussi, il faudrait que les gens apprennent aussi à vous connaître aussi. C'est très important. Bon, là, je suis entièrement d'accord avec vous. Quand je suis revenu des États-Unis, je crois que c'était en 77. En 77... Puis, j'ai travaillé là-bas, je travaillais à l'ambassade, au secrétariat de l'ambassadeur Aké Simeon. D'accord. Voilà. Paix à son âme. Et quand on est rentré, je devais travailler au ministère des Affaires étrangères. J'ai dit non au gouvernement, c'est pour aller lire les journaux et puis perdre mes compétences. Donc... C'est ainsi que, à l'époque, le cabinet à Thuron-Dessen cherchait une secrétaire bilingue. Puis bon, je suis tombé là-dessus. Puis voilà, donc, je suis rentré au cabinet à Thuron-Dessen en tant que. Cabinet à Thuron-Dessen, en effet, c'est une compagnie américaine à l'époque, voilà, d'experts comptables. Et entre autres, j'avais des patrons, parmi lesquels se trouve l'actuel Premier ministre aujourd'hui. Monsieur Patrick, il a été votre patron. L'un de mes patrons au cabinet de Rondersen. Il y a Ojué, il y a Sis Emmanuel, il y a plein de choses. Il y a le ministre Nabagné Koné. Voilà. Et là, il a été moi. C'était mes petits du cabinet à Thuron-Dessen. Grâce à Dieu, je le salue. Il est aujourd'hui ministre. Je suis fier. Nous, on se fait appeler les Aturiens quand on se retrouve. Hein, c'est ça. Il n'y a pas de protocole. Hein. Ouais. Même on a des petits noms. Concernant le ministre Nabagné, je ferai tout pour le rencontrer avant de retourner. Et dès sa sortie de l'ESCA, c'était des étudiants, sortie de l'ESCA, ils cherchaient le stage. Donc, ils cherchaient les grandes firmes là pour voilà. Et donc, j'étais au secrétariat, j'accueillais et tout, préparais les interviews pour leur embauche et tout. Et j'ai... un secret sur lui surtout. Et
Donc, j'ai rempli les dossiers et tout. Et puis, j'envoie les dossiers des étudiants. Je les présente maintenant, les patrons. On avait 3 départements. Il y avait l'informatique, l'audit et la fiscalité. D'accord. Donc, l'actuel ministre était chargé du département informatique. Voilà. Donc, après les interviews, et puis... les interviews, on me ramène les dossiers et puis moi je devais maintenant refaire les dossiers puis pour continuer. Et puis sur le dossier de quelques-uns de mes étudiants, ça vraiment, il y avait des notations vraiment. J'ose garder ça qui m'ont pas plu et puis bon, moi j'ai tout effacé. Ok. Et puis j'ai reconduit le dossier. Étudiant, tant, ça m'a pas plu. Puis je les appelle, je dis, bon, écoutez... Vous avez arrangé le dossier. Ah, j'ai arrangé le dossier, voilà, parce ça. Que... En bon frère, il faut le dire, vous avez voilà, arrangé le dossier. C'est pas trop propre. Parce que les patrons, ils ne les connaissent pas. Moi, je suis là, j'accueille tout le monde et tout. Et vous savez plus ou moins le profil voilà, qui peut passer. Donc, voilà. Il fallait que, que sauf ces jeunes gens, futurs cadres, il faut leur accorder la chance. Bien sûr. Puis j'ai réintroduit tous les dossiers. Ils étaient 3 ou 4 comme ça, parmi lesquels l'actuel ministre, Koné Nabanye. Et au finish, après les interviews, au finish, ils avaient été tous retenus. Mais j'étais heureuse. Et ça, c'était une joie. Les jeunes gens étaient attachés à moi. Et au cabinet Arthur Andersen, il y avait un principe, une politique de familiarité. Parce qu'on travaillait dans des conditions assez stressantes. On avait affaire à des partenaires de l'extérieur un peu partout. Donc, il faut une tenue, il faut un comportement, il faut savoir parler, accueillir et tout. Donc, voilà un peu. Donc, on s'appelle par le prénom. Il n'y a pas de vouvoiement. Ouais, tant telle personne, donc... Là-bas, ça c'est mon secret, Arthur Andersen, c'est mon nom, c'est la grande Hélène. Ah, okay. Donc on était 2 Hélènes, il y avait une qui était toute petite, et puis moi. Moi, c'est la grande Hélène. Pour faire la différence, la grande Hélène. Bon, je pense que c'est la grande Hélène parce que bon. Donc voilà un peu. La maman des petits. Mais dans notre contexte, Arthur, c'est la grande Hélène. C'est la grande Hélène. Donc à l'époque même, voilà, connaît et tout, voilà, aujourd'hui, voilà. Okay, et là, ça fait partie de la grande famille. C'est important. On comprend. Voilà. Donc ceci pour dire que quel que soit le poste que nous occupons, il faut faire beaucoup attention. Nous ne sommes pas à nos postes. Nous ne devons pas utiliser nos pouvoirs du moment pour rabaisser les autres. Pour rabaisser les autres, c'est très important. Et j'ai été fier après de voir ces jeunes gens. Et si c'est Manuel, il n'y a pas longtemps, il m'a rencontré à Washington et. Le ministre, il a sauté de la table là-bas. Il disait aux gens, mais c'est celle-là qui a fait de moi ce que je suis devenu. Je dis, mais Emmanuel, ne dis pas ça. Et le ministre, le PM, le premier ministre qui disait aux gens, ne vous occupez pas de ces gens-là, les Arthuriens. Là, c'est comme ça, quand ils se retrouvent, c'est comme ça ils sont. Donc, vous voyez l'ambiance, l'atmosphère, il faut... Les retrouvailles. Vous êtes là, je vous conseille, essayez de renforcer vos relations humaines. C'est important. Même si vous devez vous quitter un jour, sachez vous quitter. Ouais. Sachez qu'il y a un lendemain. Surtout. Voilà, vous voyez un peu, aujourd'hui, il connaît Nabanye, il est quelque part, voilà. Il va attendre, ah, la grande Hélène est là, mais il va sauter. Voilà, voilà, ça c'est un peu... Vous avez demandé tout à l'heure mon secret de survie et de jeunesse. C'est ça, il faut être positif partout où on se trouve. Faut parce qu'on ne sait pas. Tomorrow does not promise anything to anyone. Ah, bon, bah, l'anglais sorti là. Ou bien, veut nous envoyer là. Ça veut dire tout simplement que le lendemain ne promet rien à personne. Ouais. Tout, partout où nous sommes, prévoyons toujours notre lendemain. C'est important. En étant humble, aimant. Voilà, l'harmonie avec tout le monde. C'est ça. Alors aujourd'hui, mais on sait que c'est vous qui vous occupez principalement de la fondation Fedi Djé Arafat. Forever. Aujourd'hui, comment se porte la fondation? Ben, je vous remercie. D'abord, la fondation se porte bien, je peux dire.
créer cette fondation, d'aucuns diront qu'elle veut se faire voir. Vous avez dit quelque chose tout à l'heure. Mémé, nous voulons te connaître. C'est vrai, pour connaître Mémé, après mes aventures au cabinet à Turon, 13 ans après, je suis rentré au commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Dans un autre domaine, là, ma mission consistait maintenant à parcourir les zones de guerre, les camps des réfugiés, en qualité de coordinateur des affaires sociales. Donc, vous le saviez que la Côte d'Ivoire a accueilli les réfugiés. Bien sûr. Libériens. Libériens, oui. Voilà, dans les zones d'accueil, mon poste d'affectation, c'était à Tabou. Et lorsqu'il y a eu le génocide du Rwanda, et par rapport à mes expériences de terrain, de Genève a demandé que je sois redéployé pour aller assister les réfugiés rwandais et burundais. Ah ouais. Donc là encore, de 94-95, j'étais dans les Grands Lacs pour le compte des réfugiés rwandais et burundais. Donc, Mémé a beaucoup travaillé dans l'humanité. Oui, ah, oui, je travaillais. Ici en Côte d'Ivoire, on a géré plus de 450 000 réfugiés libériens. Wow. Donc, basé à Tabou. Je parcourais toutes les zones là-bas, ça m'a permis de découvrir. Une Américaine dépaysée, vous n'êtes même plus africaine. Mais est-ce que vous allez... J'ai dit, vous êtes un blanc, vous arrivez à être à Tabou. Pourquoi pas moi qui viens ici, de cette terre qui vous voyez à Tabou. Donc, de Tabou, je couvrais la zone de Tabou, Grabo, Nigré, Taï, tous ces secteurs. Donc, et pour revenir à la fondation. Et après ça, j'ai été envoyé en mission pour le compte des réfugiés rwandais, où j'ai parcouru aussi toutes les zones là-bas, depuis Goma, Burundi, Goma, j'étais basé à Uvira, Bukavu, Goma, Rwanda, Burundi, toutes ces zones, avec les réfugiés, avec plus de 450 000 réfugiés à gérer dans les camps. Wow. Donc, voilà un peu mon histoire. Okay. Et à partir de là, quand je suis revenu maintenant, par rapport à tout ce que j'ai vécu, ça n'allait pas en Côte d'Ivoire, les crises, tensions politiques. Pendant ce temps, je jetais un coup d'œil, je suivais les événements de mon pays. Encore, il fallait que je révolutionne. J'ai créé une organisation de paix, dénommée Vision et Action des femmes africaines contre les guerres, qui a pour mission de prévenir les conflits. Parce que ce que j'ai vécu ailleurs, que cela ne se passe pas ici. Peut-être que ce volet-là, ça peut être un autre volet. Donc, j'ai créé cette organisation. Donc, vous voyez, j'étais déjà dans le public. Dedans. Voilà, mon plan humanitaire, parcourir partout. Et à travers cette organisation, j'ai participé à de nombreuses, plus d'une vingtaine de conférences internationales en Afrique du Sud, aux États-Unis. J'ai même intervenu au Conseil de sécurité des Nations Unies en 2005, dans le cadre de la résolution 1325. Je ne parle pas de moi. À travers vos propos, nous qui ne savions pas, ou les internautes, ou les téléspectateurs qui ne savaient pas, comprennent pourquoi votre petit-fils Didier Arafat était assez fier de vous. Voilà. Parce que normalement, la base, je pense que c'est toutes ces informations-là qui lui donnaient de parler de vous comme son Dieu sur terre, en fait. Et parfois, il me rejoignait là-bas. Oui, il allait à Tabou. Ah, ok. Ah, il venait souvent déjà. Oui, mais il y a eu une. Vous savez, il était tellement attaché à sa grand-mère, à un moment donné. Là, il avait, je crois, 6 ou 7 ans quand je suis partie. Il voulait voir sa grand-mère. Je ne sais pas comment il a quitté la chose. Cocody, pour se rendre à Djamé, à la gare de Djamé. D'Adjamé. D'Adjamé, pour aller jusqu'à Tabou. Oui. Wow. Parce que quand je venais en vacances, je prenais quelques... Je suis là-bas, ils sont à la maison, mais je venais là. Pendant les vacances, je le prenais avec moi. Là, il a décidé, il voulait carrément voir sa grand-mère. Ben, le petit, il est allé à la gare. Wow. Et c'est lui qui m'a raconté. Pas. Il est arrivé. Ouais. À 3h du matin, j'ai mon gardien qui me dit, mais madame, il y a petit enfant là. Il y a un petit garçon devant la porte. Je dis, moi, mes enfants, mes petits-enfants sont à Bijan. Ouais. Quel petit enfant? Je sors là, c'est Didier qui est là. Mais Ange, il a sauté à mes coups. Maman, je veux te voir. Maman, je veux te voir. Je n'ai plus ce mot. Je suis allé me coucher avec elle. Le lendemain, je lui dis, mais comment tu as fait pour arriver ici? Il dit, non, mais je voulais te voir. Moi, je ne veux plus rester là-bas. Je voulais te voir. Donc, je suis allé à la gare. Et puis, j'ai demandé Tabou. Et puis, je suis monté dans le bus. On dit que je n'avais pas de billet.
Et puis, les gars m'ont jeté à terre. Et puis, j'ai pleuré. Quand je pleurais, je dis, je vais aller voir ma grand-mère. Et puis, il y a un monsieur qui est descendu du car. Et puis, qui a dit, bon, laissez le petit. Puis, il a pris mon ticket. Il a payé le billet. Et puis, lui, le petit, le monsieur, lui me demande, mais où tu vas? Il dit, mais je vais à Tabou. Chez qui? Il dit, je vais chez ma grand-mère. Dans quelle ville elle se trouve-t-elle? Il dit, ah non, non, hein? Ma grand-mère se trouve pas dans un village. Hein? Ma grand-mère se trouve à Achère. Achère. Mais comment elle s'appelle? Elle s'appelle Dandilou. Ma grand-mère, Dandilou Hélène, Achère, Tabou. Il dit, c'est comme ça que le monsieur l'a déposé là. L'a déposé. Jusqu'à l'heure où je vous parle, je n'ai jamais retrouvé ce monsieur. Alors, Choula. Comme il s'appelle Ange, peut-être que c'est un ange qui l'a accompagné. Certainement. C'est possible. Donc, c'est ça. Mais là, on vous sent déjà à cœur ouvert. Mm-hmm. Moi, je vais vous poser une question à profusion. Oui. Je sais que votre petit-fils, Feu Didier Arafat, avant de quitter ce monde, il se confiait beaucoup à vous. Mm-hmm. Ouais. Je sais que vous avez eu des échanges très profonds. Aujourd'hui, les Chinois, la nation, la Côte d'Ivoire, ce côté-là, on a envie que vous levez un peu le voile. Parce que ce n'est pas assez facile. Beaucoup de choses, beaucoup de zones d'ombre, des incompréhensions. Surtout vraiment, concernant la fondation. Concernant la fondation. Votre petit-fils, il vous a vraiment... Je sais qu'il vous a confié beaucoup de choses. Mm-hmm. Vous avez changé, parlé longtemps avec lui. Mm-hmm. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut lever le voile? Je vous dirai oui ou non. Je vous parlerai un peu parce que... J'ai prévu deux projets importants pour lui. Ok. Il y a d'abord sa fondation. Mm-hmm. Et puis aussi, je suis écrivaine aussi. Hein. D'accord. J'ai déjà sorti mon premier livre. Vous avez dû entendre parler d'un livre. Parce que la crise qu'a connue la Côte d'Ivoire m'a tellement ulcérée, outrée. J'ai écrit ce livre, elle est larme aux yeux. Mm-hmm. Parce que j'ai fait ce que je... Comme je vous ai dit tout à l'heure, suite à mes visites de terrain, ce que j'ai vécu de part et d'autre, les conséquences des guerres, il y a eu même... et voir tout ce que j'ai eu à faire. Pour éviter cette crise-là, à l'époque, j'avais rencontré le président Henri Konabédié, le président Gbagbo, à l'époque, deux mois avant les élections. Je l'ai rencontré, le général Robert Guéï, l'actuel président de la République, dans le cadre de la paix. Je n'ai pas été suivi, les prisonniers politiques du RDR à la détention... parmi lesquels Gon Koulibaly, à l'actuelle doyenne Henriette Diabaté, et Ali Koulibaly, à l'époque il était journaliste, mm-hmm. et aujourd'hui il est ministre, il a été temps, il est là et tout. Zembogo Fofana. Mm-hmm. Vous savez, j'aime pas trop parler de moi. Donc d'aucuns disent, ah oui, elle a créé la fondation pour se faire voir maintenant. Moi, je vaux mieux que ça. Hein. Mm-hmm. J'ai créé cette fondation. C'est un cri de cœur. C'est une façon... Vous savez, quand il est parti, hein, chacun a mis en place sa propre stratégie de gestion ce départ-là. Chacun a mis... On répète encore. Chacun a mis en place sa propre stratégie de gestion de ce départ. De ce départ. Ouais, j'aime bien cette parole. Voilà. Ça, c'est clair. Il faut que ça rentre dans le yukri ou... Je vais décroiser mes pieds. Il faut décroiser tes pieds. Parce que là, ça commence à... Il faut comprendre. Le Fafa vient de commencer maintenant. Donc, c'est pour dire que je n'ai pas créé cette fondation pour me faire... Te faire de l'argent ou quoi que ce soit. Pour me faire voir. Non, mon petit garçon, il me fait pitié. Pourquoi, mémé? Par compassion. En réponse à votre question, il m'a dit, c'est vrai. Mm-hmm. Ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu. Hein. Mm-hmm. Mais je ne sais pas pourquoi. C'est le 6 février 2000. C'est ce qu'il m'a contacté. D'accord, le 6 février 2006. Pardon, 2019. Pardon, 2019. Mm-hmm. Votre petit-fils vous contacte. Voilà. Quelques mois avant son décès. Voilà, ouais. Quelques mois. Quelques mois. Je ne pourrais pas rentrer dans les détails. Hein. Okay. Comme je dois écrire, je fais. Et puis, il y a des côtés très, très, très douloureux que je ne pouvais pas. On imagine. Voilà. Parce que nous savons, vu la manière dont vous parlez, tout petit, il se prend le cas, il va vous rejoindre et tout ça, c'est que vous devrez véritablement être une oreille et attentif pour lui. Il y avait un lien fort. Entre pendant ce temps, ses parents le cherchaient ici, oui, à Abidjan. Et lui, il vous cherchait. c'est ça. Donc, mais je ne vais pas aller là-bas. Voilà. Donc on sait, mais vu la manière, Didier Arafat
était, comment il vivait et comment il était très très émotif parce qu'il prenait tout à cœur. Mmh. Ouais. Et je suis sûr que de son, du plus profond de son cœur, il a dû vous parler, vous exprimer toutes beaucoup. Beaucoup de choses. Il a insisté. Il a insisté. Mais je veux te voir. Mmh. C'est important. C'est urgent. Je sais que je ne t'appelle pas. Mais je sais que tu ne m'en veux pas. Mais je veux te voir. J'ai envie de te voir. C'est très important. Qu'est-ce qui le tracassait? J'ai besoin de toi près de moi. Ça, il a insisté. J'ai besoin de toi près de moi. Mais je veux que tu connaisses mes enfants. Et je veux que tu les aimes comme moi. Je veux que tu veilles sur eux comme tu veilles sur moi. J'ai dit à son petit oncle, parce qu'il a son oncle là, le petit frère de Tina, mm-hmm. Désiré. Mm-hmm. J'ai dit, mais regarde ton garçon, ce qu'il me raconte. Il dit, ben toi, moi, tu connais ton Didier là, c'est pas aujourd'hui. Hein. Mais le voir insister comme ça, maman, tu dois partir. Mm-hmm. Voilà. C'est ça. Mais après, vous avez senti un cri de cœur, un appel. Oui, mm-hmm. Oui. Mais j'ai besoin de toi auprès de moi. D'ailleurs, mais je ne veux plus te voir à l'extérieur. Mm-hmm. Et c'est pourquoi tu es parti. Tu as tout fait pour nous. Tes enfants, tu as fait trop fait pour eux. Nous, tes petits-enfants. Moi, tu reviens, je vais m'occuper de toi. Mm-hmm. On avait une confidence. Vous savez ce qu'il est devenu? Ça a l'air de 2 ans qu'il savait déjà ce qu'il allait devenir. Mm-hmm. Il me l'a dit. Hein. Mais tant comme ça, je fais l'économie de ça. Voilà. Puis je l'ai pris dans mes bras. Bon, écoute, hein, ce que tu viens de dire est que ça se réalise. Mm-hmm. Il savait déjà ce qu'il allait être. C'était inné en lui. Mais quand il t'a appelé, Mémé, pour te demander de rentrer définitivement au pays, qu'il allait prendre soin de toi, est-ce que tu n'as pas eu l'impression que, quelque part, il était persécuté ou qu'il était tracassé? Il y a des choses qui l'embêtaient? Oui. Bon, selon lui, je devais être là en mai. Mm-hmm. C'est en mai que je devais être là. C'est ce qu'il a dit. Hein. Mm-hmm. Puis pour ce fait, d'ailleurs, je travaillais. Et puis bon, j'ai dit bon. En mai, j'ai dû... Parce qu'il insistait tellement, c'était très, très important. Mm-hmm. Donc, 31 avril, j'ai arrêté de travailler. Bon, je lui ai dit, écoute, mon gars, je suis à ta disposition maintenant. Mm-hmm. Et quelques temps plus tard, il m'a rappelé pour me dire, ah, mémé, voilà, je viens d'avoir une mission d'urgence à Paris, tu ne peux plus venir en mai, mais est-ce que, dès que je reviens, en juin, juillet, tu seras ici. D'ailleurs, j'ai mon concert du 27 juillet. Je veux que tu sois là. Et que je veux que tu sois avec moi, chose-là. Mm-hmm. Voilà. Voilà. Et puis après, en mai, il me rappelle, voilà, donc on a reporté, il est venu. Mais... J'aurais pu être là plus tôt, mais c'est lui qui a tout le temps, qui avait tout le temps reporté. Mm-hmm. Et je vous assure que si le report de mon arrivée à sa demande dépendait de moi, j'allais me culpabiliser comme quoi c'est moi qui ai causé sa mort. J'allais me dire, mais si j'avais été là, j'allais sauver mon petit garçon. Mm-hmm. Mais ça a été par lui. Mais ces derniers moments, il a passé avec moi. Où il m'a raconté plein de choses. Mais, qui suis-je? Tu connais mieux mon histoire. Suis-je ivoirien ou pas? Toutes les portes me sont fermées. Waouh! Il vous l'a dit comme ça au téléphone, que toutes les portes me sont fermées. Je n'ai plus le droit de passer sur aucune chaîne. Mon Dieu. Je suis allé même payer à la mairie mes affiches et tout. Même si je me débrouille pour les coller, à peine d'arriver de l'autre côté, déjà il y a des gens qui me suivent. Les portes étaient fermées. Forcément par des personnes, parce que les portes ne se ferment pas tout seul. C'est pour cette raison, quand je vois aujourd'hui toutes les chaînes, Arafat ici, Arafat... Mais lorsqu'il avait besoin, voyez-vous yes. C'est pour cette raison que je fuis la presse depuis. Quand il en avait besoin, ils étaient où? Mais on ressent la colère et la frustration. Et maintenant, vraiment, tout le monde utilise son nom. Son nom, son image. Sur leur chaîne. D'autres, des groupes secrets. Tous ces gens que vous voyez s'agiter avec les drapeaux chinois par-ci par-là, qui organisent les concerts par-ci par-là, c'est pour leur poche. Mon petit garçon est devenu un fonds de commerce. Alors que de son vivant, le père. Un facteur de célébrité, de visibilité. Ouais.
pour beaucoup. Si vous aviez tant aimé Arafat, l'année dernière, il y avait tellement de... La fondation était combattue. Par qui exactement? Trop de choses. Bref, c'est une longue histoire. Mais tout se sait. Vous aimez Arafat, mais venez. Appelez-nous, on va savoir. Ah, venez. Mais nous sommes là. On est contents de voir qu'il y a une fondation maintenant, un cadre de travail. Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Mais nous ne voyons personne. Mais il s'agite. Ouais, conseil en hommage. Mais tu ne peux pas les voir. On fabrique des statues. Oui, on a présenté, voilà, nous avons demandé, fait des demandes auprès du gouvernement, l'autorisation depuis 2020. Mais merde, qui êtes-vous? Est-il tombé du ciel? Mais non. Vous avez aimé Arafat aujourd'hui, venez. Mais très énervé. C'est pour cette raison depuis je ne parle pas. J'ai grossi le cœur. On comprend, mémé, vraiment on comprend. Ils ne peuvent pas me manipuler. Parce que si ça lie à la fondation, leur recette serait moins. Et pendant ce temps, vous utilisez son nom. Donc, vous avez souhaité sa mort alors. Ah. Pour être plus visible alors. Bon, ok. Pour être plus célèbre alors. C'est de ça qu'il s'agit. Ça me tue. Ça me ronge. Ça ressemble à ça. La fondation. En créant cette fondation, c'est un devoir de mémoire. Pour plusieurs raisons. Un devoir de mémoire. Par rapport à tout ce que je vous dis là. Si son père ou mon père avait été là, il allait lancer ce cri. Je ne pense pas que Wumpé, tel que je le connais, il allait rester là les bras croisés puis voir n'importe qui utiliser le nom de son fils, s'enrichir, voilà. Il est devenu comme un habillage pour leur propre visibilité. Aujourd'hui, la mort de mon petit garçon a changé la vie, sociale de milliers de personnes ici en Côte d'Ivoire. Et moi, sa grand-mère. Ce qui gagne là, ça va où? C'est au bénéfice de ses enfants. C'est pour protéger les acquis de ses enfants. Vous mettez une nouvelle place pour les acquis de ses enfants. Je n'ai pas été comprise hier. Mais je sais que le jour viendra où je serai comprise. Forcément. Et si les enfants de Didier étaient grands, ils n'allaient pas rester là les bras croisés, voir les gens exploités. Ce que nous voyons là. Justement. Il faut en parler justement, mémé, parce que tu l'as dit tout à l'heure, les enfants d'Arafat sont encore mineurs. Mais ils sont quand même sous tutelle. Ils ont des mères. Donc, on suppose que pour l'instant, c'est les mères qui touchent les bénéfices des ventes des albums d'Arafat. Mais d'après ce qu'on a entendu, les mères ne sont pas toutes d'accord concernant les ayants droit. Chacune veut à son niveau avoir une bonne part du gâteau. Comment ça se passe exactement? Mais écoutez, ça c'est un autre débat. Je ne voudrais pas rentrer dedans. Alors, mais concernant la fondation Arafat DJ, on constate que tout le monde, et n'importe qui, je dis ça comme ça, se lève, utilise l'image d'Arafat. Il y a quelqu'un même qui dernièrement a écrit un livre qui utilise l'image d'Arafat, sachant que la fondation aujourd'hui, c'est une fondation qui est légale au regard de la loi. Donc, tout le monde ne peut plus se lever et utiliser l'image d'Arafat. Est-ce que tu as appris qu'il y a quelqu'un qui a écrit un livre concernant Arafat? Oui, effectivement. J'ai vu ça. La première image, je crois, date de deux semaines. Est-ce que vous avez été contacté avant l'écriture de ce Jamais. Il y a environ deux semaines. Donc, vous avez vu ça sur les réseaux sociaux comme ça, comme tout le monde? Sur les réseaux sociaux comme tout le monde. Ah, ok, d'accord. Et puis... j'ai vu des gens aller voir ma fille. D'accord. Et après, j'ai vu ça sur les réseaux sociaux, que c'est dans l'intention de sortir un livre, tant. J'ai même appelé ma fille pour me dire, ils sont allés te voir, c'est bien, mais ils doivent rencontrer la fondation. Elle m'a dit, ah maman, je n'en sais rien du tout. Elle ne les connaît pas du tout. Ah, qu'elle a constaté aussi sur les réseaux sociaux aussi. Voilà, elle ne les connaît pas. Okay. Mais c'est une de ses amies qui l'a approchée pour prendre un rendez-vous que des personnes voulaient la voir. D'accord. Donc, elle les a rencontrées, elle ne connaît même pas. Donc, ils ont échangé, tant. Voilà.
Mais elle me disait d'ailleurs qu'elle a été écœurée que 2 jours après la rencontre, voit ces gens-là en train de faire autour d'une table parler de je ne sais pas quoi, d'un livre en hommage d'Arafat. Au cours de leur entretien, bon, cela n'a pas porté. Alors je lui ai dit, donne-moi leur contact. Elle m'a dit, maman, je n'ai pas pris de contact. Et sur le machin, j'ai vu que leur livre, leur maison d'édition, c'est comment on appelle ça, Harmattan. Harmattan, ok. Or, il se trouve que, en ma qualité d'écrivaine, l'Harmattan aussi, ma maison d'édition de mon premier livre depuis 2014. Okay. Donc, je suis rentré en contact immédiatement avec, voilà, le représentant Côte d'Ivoire de l'Harmattan, qui m'a envoyé leur contact. Je les ai appelés, ben, ils n'ont pas répondu. J'ai laissé un message, ils n'ont jamais répondu. Ça, c'est d'un. Et deux, j'ai demandé aussi à notre chargé de communication, Dominique. Nous aimons l'appeler la super chinoise, de nous trouver. Elle est rentrée en contact avec eux. Mm-hmm. OK. Avec le groupe, là. Le groupe, et ils ont promis même la rappeler. Mm. Ils ne l'ont jamais fait jusqu'à maintenant. D'accord. Voilà, et donc, voilà, ça continue. Wow. Bon, par ça exemple, en parlant de ce sujet, justement, comment vous avez pris le fait que Didier Arafat, cette légende, combien d'années plus tard, 3 ans après sa mort, son CD qui coûtait 16 120 francs, se retrouve à être vendu à 350 francs CFA. Faut dire bradé. Bradé, surtout être bradé par, sur un certain site à 350 francs CFA. Ça, on n'a pas compris. Bon, on n'a pas terminé avec les écrivains et puis vous avez enchaîné avec ça. Bon, je réponds. En réponse, il faut dire que quand je suis arrivé des États-Unis depuis le. J'ai quitté là-bas le 11, je suis arrivé ici le 12 septembre. Et le 14, je vois. On m'envoie la vidéo et tout. Je dis, mais c'est pas possible, c'est dû à quoi ça? Est-ce que je rêve? Les CD de mon petit garçon, les 16 000, pour lesquels il a souffert pendant des années, qui peut oser? C'est un crime, ça. 350. C'est pour dire que... C'est du jamais vu. C'est fini. C'est du jamais vu. Alors, écœuré, outré, je me suis renseigné de part et d'autre. J'ai informé l'équipe. Qu'est-ce qu'on doit faire? J'ai appelé immédiatement ma fille pour savoir ce qu'il y en est. Puisque toi, tu es ici. Moi, je suis de l'autre côté. Je viens d'arriver. Je lui dis, elle dit, mais maman, c'est pas possible, je sais pas, je vois pas de quoi tu parles, maman. Puis je lui ai envoyé tout. Et le hic, ils ont mis en bas, pour toute information, veuillez contacter la Fondation Arafat Didier Forever. Oh mon Dieu. Ce qui veut dire que dès que tu vois ce document, immédiatement, c'est en étroite collaboration avec la Fondation. Alors que pas du tout. Ou alors c'est carrément la fondation. Il y a usurpation par là. Alors, ma fille me dit qu'elle n'est pas au courant. Mais maman, comment toi tu viens d'arriver et puis c'est toi? J'ai dit, ben c'est comme ça. Quand j'arrive chaque fois, ben qu'est-ce qu'il fallait faire? Après avoir, ma fille m'a dit non, elle n'en sait rien. Ouais. J'ai dit bon, la fondation doit parler. J'ai dit non, on ne travaille pas dans le bruit. C'est dans le silence, le calme. Voilà, donc calme-toi. Ah non, je vais faire... Je dis, calme-toi. Nous avons besoin d'élucider toutes ces informations, avant de réagir. Donc, après ma fille, qui a été la première réaction, deuxième réaction, nous sommes rentrés en contact avec Universal. Voilà, pour immédiatement affixer un rendez-vous, parce que Universal a été la dernière maison de production. Et les œuvres qui sont bradées aujourd'hui, Ils sont sortis chez Universal. Et quand tu vois même sur le document, le fond même de leur publicité, là, il y a Universal. Donc, quoi qu'il en soit, il fallait. C'est ainsi que nous sommes allés rencontrer Universal, je crois, si je ne me trompe pas. Je crois le 27 septembre. On a rencontré Universal. On a mis le problème sur la table et Universal a dit non. C'est vrai, ils ont vu ça, tout le monde a vu ça, mais ils n'ont rien à voir.
Mais vous n'avez rien à voir, mais ça vient d'où alors? Donc décidément, c'est qui alors décidément, qui, a... ouais, parce qui que est derrière personne ça? Personne n'a rien à derrière? Voir. Mais qui est derrière tout ça? Si je comprends bien, en tout cas, c'est un réseau bien ficelé. Mm-hmm. Ouais. Un grand réseau, hein, ficelé. Mais vous avez fait tout ce sabotage. Il est parti. Il est parti. Il y a quoi encore? Il y a quoi encore? Franchement, il y a quoi? Peut-être c'est son âme, ils veulent saboter. Je ne sais pas, mais peut-être que vous voulez faire l'âme maintenant. J'avais vu ça. Qu'est-ce que vous voulez? Jusqu'à vouloir brader carrément. De 16 000 à 350 000. Non. L'œuvre de son esprit. Si. Je n'ai pas dormi. Hein. Non, on ne peut pas dormir. Universal nous a dit, franchement, qu'ils n'ont rien à voir. La fondation est assise. De façon légale, déclarée légalement, à tout, une assise, mm-hmm, totalement. C'est-à-dire qu'on a tous les documents légaux, mm-hmm, mais nous n'avons pas des moyens de fonctionnement. Nous avons besoin des moyens pour fonctionner. Qui commencent alors, mais déjà. En parlant de moyens de fonctionnement, mm-hmm, on sait que tu es toujours entre les États-Unis et la Côte d'Ivoire. Mm-hmm. Tu viens ici, tu fais les courses pour la fondation. Mais là, comment tu fais tout cet argent, tu l'enlèves? De ma poche. Je suis à la retraite aux États-Unis. Je suis les billets d'avion États-Unis à Côte d'Ivoire. C'est de ma poche. Le séjour, les chauffeurs, c'est de ma les poche. Courses. C'est de ma poche. Je suis à plus de 20 millions. Donc pendant que toi tu fais tout ça de ta poche, voilà, tu prends l'autre poche. Et puis ils prennent maintenant l'image de, voilà, de ton petit-fils. Exactement. Et puis ils font pocher ça. Voilà. D'accord. Ils multiplient leurs restaurants, leurs bars. Ils construisent de grands hôtels avec les images et tout. Ils organisent des concerts par-ci, par-là. Déjà, l'enregistrement auprès de OAPI, mm-hmm, c'est cher, hein? Oui, oui. Pour ouais, déclarer une œuvre, c'est cher. Je suis à la retraite en tant qu'Américaine, Ivoiro-Américaine. Voyez, j'ai plus de 70 ans. Est-ce que j'ai besoin de me stresser pareil? À cet âge. Mais si je ne me lève pas pour faire ça, qui va le faire? On va oublier mon petit garçon. Et il sera exploité pour toujours. Parce que ces gens, les exploiteurs, ou des fraudeurs, ou ces voleurs, d'où qu'ils sortent, sont en train de violer les droits fondamentaux des enfants d'Arafat. Parce que ce qu'ils vendent, les millions qu'ils gagnent, ça va où? Sa mère est ce qu'elle est. Mais c'est sa mère. Mm-hmm. Elle a des difficultés. Mm-hmm. Aussi. Il ne suffit pas de la machiner matin, ça. De lui offrir une voiture. C'est bien beau. Mais l'utiliser comme un habillage pour sa propre célébrité, enrichir. Tu recueilles au moins 15 à 20 millions par jour sur le nom de l'enfant de quelqu'un. C'est en Côte d'Ivoire qu'on peut voir cela. Nulle part ailleurs. Tu peux faire ça à Michael Jackson? Il faut la Côte d'Ivoire et cela doit prendre fin. Nous avons pris toutes les dispositions. Et ce sont là de grands défis pour nous, à la Fondation. Monsieur. Pour moi. Et j'en profite pour féliciter et remercier l'équipe de la Fondation, un petit groupe de personnes. Je ne les paye pas depuis 3 ans. Qui se battent à la tâche bénévolement. Qui se battent à la tâche bénévolement. Pour l'amour de Didier Arafat. Moi, de son vivant, je n'ai pas vécu avec lui. Je n'ai même pas bu de l'eau chez lui. Il est mort, je n'ai pas reçu des millions, rien du tout. Mais je me bats. Mais je compte sur toi. Si tu ne te lèves pas, je ne veux pas qu'on m'oublie. Il y a plein de choses. Et je suis fier. Tant que Dieu me donnera le souffle, à travers sa fondation, il sera le plus grand. Il sera encore plus grand que de son vivant. Parce qu'il y a les Chinois des autres pays, j'en profite pour les saluer, pour les féliciter. Le Burkina, les différents pays, il y a les Chinois. Ils se sont mobilisés, il y en a qui nous adressent. Ils ont même souhaité à ce que la fondation soit représentée dans leur pays, décentralisée. Par exemple, Fondation Arafat Didier,
Tchad, Bénin, Togo, ils se sont déjà approchés de nous. J'ai dit, je vais à Abidjan, nous allons y réfléchir. Notre gros problème aujourd'hui, c'est d'avoir des moyens de fonctionnement. Je saisis cette occasion, un monsieur très humble, il n'aime pas qu'on parle de lui, mais mon fils chéri, permets-moi de mentionner un peu ton nom. Il se nomme Moussa Kone, dit président de la ville. Ok. C'est son local que nous avons comme notre local actuellement, le siège temporaire de la fondation. Vous voyez, nous utilisons son matériel, son personnel. Mais c'est lui qui m'accueille. Ce monsieur-là, que Dieu le bénisse. Amen. Amen. C'est pour dire que pendant que d'autres personnes s'enrichissent, la fondation n'a aucun moyen. Nous avons besoin d'un siège équipé à l'image de l'artiste, écrit devant son fondation à la Fadidier. C'est le rêve. Avec une voiture à l'appui, des moyens à l'appui. C'est de ça qu'il s'agit. Bon, on me dira, oui, ces gens-là veulent immortaliser. On n'interdit pas. Mais quiconque, avant d'entreprendre une activité quelconque, vous vous rendez à la fondation, c'est pour venir d'abord marquer votre respect en sa mémoire. Ouais. Parce que c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Il est vivant. Personne ne mourra à travers ça. Alors, quiconque décide d'entreprendre une activité, la personne est en train de piétiner sur moi, cracher sur ma peur, qui es-tu? Et puis, cracher sur mon petit garçon. D'ailleurs, quand je réfléchis, si ces personnes avaient même la possibilité de prendre leur catapila, aller raise sa tombe, pour ne même plus qu'on pense à lui, parce que c'est tout ce qui reste. Parce que c'est eux qui doivent régner. Lui, on doit les oublier. Et pendant ce temps, eux, ils utilisent son nom et ils règnent comme un habillage, une couverture. Trouvez-vous cela normal? Une couverture. Ils manipulent la psychologie des Chinois. C'est la Chine. Mais en effet, ils n'ont rien à voir. J'arrive depuis 3 ans, je les appelle. Hein. Je les appelle. Je profite de l'occasion également de saluer Ali Lecôte, qui est resté un moment donné un peu à l'écart et tout. Mais quand il a compris maintenant, il m'a dit, mémé, je comprends ton cri de cœur. J'arrive. Et il est venu. Il était venu pour un mois. Alors, il a passé, ici. Voilà. Il est même aussi dans l'émission. Ok. Il a passé 3-4 mois. Et on a un projet important, un chinois, un casque. On avait commencé depuis l'année dernière. Oui, oui. Donc, nous avons... il s'est joint à l'équipe et ce projet a été révolutionné. Voilà. Okay, donc, alors, vous voyez un peu. Ouais, et il a saisi l'occasion pour faire le tour de tous ses amis-là. Mais j'ai dit, nous, on n'a pas de problème. Ceux qui se disent ses amis, qu'ils viennent. Aujourd'hui, il y en a qui ont compris qu'ils viennent. C'est déjà bon. Voilà, qu'ils viennent. Okay. Avec beaucoup de réserves, mais qu'ils viennent. C'est déjà bon. Donc, en fait, l'objectif premier de la fondation Arafat Forever, c'est de pérenniser l'œuvre de l'artiste. Oui. Tout simplement. Ok. Alors, Choula. Faire respecter ses droits. Son nom et ses droits. Et ses droits. Et ses droits. Ok. Alors, Mémé, Choula, nous avons un élément vidéo parce qu'on a tenu à ce que les gens posent des questions. Ouais. Les gens qui veulent poser des questions à Mémé, des citoyens lambda, nous avons fait un micro-trottoir pour cela. Nous allons diffuser l'élément. L'élément. Arafat est un monument, une légende. Quelle idée il peut donner à cette jeunesse? Quelle idée qu'il peut donner à cette jeunesse pour que cette jeunesse ne doit pas utiliser le nom d'Arafat pour poser des dégâts négatifs? Et pourquoi est-ce que lorsque le pasteur s'est proposé venir ressusciter Arafat, pourquoi est-ce que la famille d'Arafat n'a pas permis à ce pasteur-là de venir essayer ce qu'il voulait faire? La question qu'elle a. Mon artiste Arafat qui est décédé, son groupe s'est détaché, chacun rentre son chacun. Et sa femme Kamel Sama qui passe tout son temps sur les réseaux sociaux à chercher le buzz, à faire des trucs qui déplaient complètement aux Chinois. Nous les Chinois, sincèrement dit, le caractère qu'elle a, ça ne nous plaît pas du tout, vraiment pas du tout.
J'aimerais savoir ce qui se passe aujourd'hui dans l'ONG Forever Didier Arafat. Parce qu'il ne comprend pas aujourd'hui ce qui se passe. Normalement, si Maman Tina elle accepte de signer là, l'argent va verser sur le compte des enfants, mais elle ne veut pas signer, il ne sait pas pourquoi. C'est qu'il y a quelque chose qui clenche. Donc on nous dit la vérité. Alors, mais voici un peu l'élément. C'est plusieurs questions, effectivement. La première question dit quel est le message que vous pouvez porter à la jeunesse qu'un Emedi Arafat, de quelle direction ils doivent prendre? Ça, c'est votre message personnel, vu que vous savez ce que aimerait votre fils pour tous ces jeunes, car il a toujours voulu se battre aussi, et vu que les jeunes se battent comme lui, donc voilà. Et il y a d'autres questions qui parlent de la fondation, d'une certaine signature. Justement, concernant le dernier intervenant, moi j'avais entendu dire que, effectivement, concernant les droits d'Arafat, les retombées de ses œuvres musicales, il y a un chèque qui est en suspens, voilà, un gros chèque d'ailleurs, et que la seule personne qui faisait opposition à cela, c'était Tina. Elle refusait de signer. Vrai ou faux? Pour répondre à cette question, je ne crois pas. Je ne crois pas. Parce que pour preuve, ce sont les enfants qui sont les ayants droit. Et je crois l'année dernière, les mamans des enfants, elles ont préparé les documents. Ce que je sais, hein, et c'est ce que ma fille m'a dit, ça a même créé un peu de bruit. Et les mamans, tu sais, au nom des ayants droit des enfants, ont touché sans même que maman Tina soit là. Donc, je ne sais pas s'il s'agit d'un nouveau chèque. Ça, je n'en sais pas. Je n'en sais rien du tout. Mais elles se sont partagées. Et puis bon, je ne sais pas combien. Pour moi, c'était des détails et tout. Je n'ai jamais souhaité que mon petit garçon meure pour que je me batte sur ces... Sur l'héritage. Moi, ce qui me tenait à cœur, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, après son départ, chacun et chacune a mis en place ses propres stratégies de gestion, de son deuil. Donc moi, c'est ne même pas penser à ça, c'est de le faire revivre. De pérenniser son voilà, âme. C'est ça. Parce alors, que, le voilà, qui dit qu'il n'est pas trop d'accord du comportement de Kamel Sama qui bon. S'expose sur la toile et que eux, les Chinois, bon, on aimerait un peu savoir parce qu'aujourd'hui, on sait que Mémé fait partie quand même des personnes qui ont quand même encouragé Fedi Arafat à rester avec Kamel et tout, à un moment où il y avait beaucoup d'histoires entre eux. Alors aujourd'hui, de là, de votre position, comment vous voyez ces attitudes et ce comportement? Bon, écoutez, c'est une question assez problématique. Bien sûr. Je ne suis pas ici pour exposer, c'est leur feeling. Hein? C'est leur feeling qu'ils sont en train d'exprimer. Et quelque part, ma fille Carmel devrait avoir une tenue. Ok, si je suis pas. Ben, si j'ai quelque chose à lui dire, je lui dirai à l'oreille. Bon, tout le monde voit, elle est assez grande, elle est majeure. Donc bon. Elle est consciente de ses actes. Elle est consciente de ses actes. On peut bon, que tout constater. À l'heure, vous m'avez posé des questions. Moi, j'ai mon comportement, moi, par rapport. Et puis, les différentes étapes professionnelles où j'ai parcouru mon parcours m'imposaient quand même de l'ambassade, rentrer dans temps. Mais ça, c'est d'être là, elle a gâté. Voilà, et voilà. Non. Et puis, c'est une jeune fille. Ouais. Il faut remarquer aussi qu'elle a été tellement traumatisée. Et puis, vous savez, le traumatisme, ici, on néglige. Hein. Elle avait plutôt besoin d'écoute. D'écoute psychologique, c'est-à-dire entretien avec quelqu'un et tout, bon, malheureusement, bon, voilà, c'est peut-être aussi une façon à elle, bon, je ne peux pas la juger, hein. Pas la juger, c'est ça. Bon, maintenant, concernant, il a évoqué un problème là, le comportement des Chinois, ouais. Ça, c'est important. Le comportement. Et en 2001, nous avons organisé. Un conseil gratuit pour toujours commémorer la mémoire d'Arafat au stade d'Angré. En 2001. Non, 2021, je veux dire. 2021, pardon. Oui, je crois 2020, on a organisé un truc là-bas, au stade d'Angré. Et il y a eu des difficultés. Beaucoup de grabuges. Et encore, je crois, 2021,
ces choses se sont répétées. Et là, même, on a les Chinois. J'ai beaucoup de respect pour les Chinois. Parce que la fondation qui est créée, merci de me donner cette occasion. On va parler un peu, je les salue tous. Tous les Chinois d'ici et d'ailleurs, je vous salue. Autant vous aviez été les sources d'inspiration, de force positive pour aller de l'avant pour mon petit garçon, vous l'aviez toujours été pour moi. Et si aujourd'hui cette fondation existe, c'est grâce à votre soutien. Mémé, bonjour, on t'appelle pour te saluer. Mémé, nous comptons sur toi. Mémé, nous savons que ce n'est pas facile, mais c'est sur toi que nous comptons. Si tu baisses les bras, c'est fini. Sans cette fondation, on va oublier. Ça, franchement, tous les Chinois m'ont soutenu et continuent de me soutenir. Mais seulement, je ne dirais pas que c'est eux ou ce n'est pas eux. Mais il y a de mauvaises graines qui se sont infiltrées, bien sûr, pour saboter. Arafat a été saboté. Bien c'est sûr. Tout à fait normal que tous les Chinois retiennent que la fondation, c'est pour eux. Parce que Arafat a vécu pour la jeunesse. Et aujourd'hui, après son départ, la création d'une fondation, c'est eux. Pour moi, la fondation est d'abord un arbre d'amour. Et qui dit arbre? L'arbre a des racines. Et les, pour moi, les Chinois du monde d'ici et d'ailleurs représentent les racines. Voilà, donc c'est leur maison, ils doivent en faire le leur. Et ça, c'est très important. Mais je les invite, j'invite tous les Chinois à la sagesse. Parce que leur idole, leur président aimait la perfection. Il tenait à être respecté lui-même et par conséquent, respecter, voir ses Chinois respectés. Qu'en mémoire d'Arafat qu'il soit sage, quand il y a des événements, qui soient les agents de sécurité pour veiller vraiment à la sécurité et à la sérénité de tous. Qu'on ne dise pas, oui, les Chinois ont fait ceci, les Chinois ont fait cela. Ah, c'est très important. Et là, nous avons un programme très important en mémoire d'Arafat, pérennisé, c'est-à-dire qu'il faisait un travail moto-moto-tour. Mm-hmm. Un Chinois, un casque. Et on lui demande pourquoi. Il dit, il veut sauver la vie. Parce qu'il veut en profiter pour sensibiliser tous les Chinois à porter des casques. Parce qu'ils constatent qu'il y a des Chinois sur les motos qui ne portent pas de casque. Exactement. Et lui qui prenait cette notion, il n'a pas porté son casque. Aujourd'hui, il n'est plus. Donc, la fondation reprend. Donc, a décidé de pérenniser cette vision inachevée. Donc, nous avons en étroite collaboration avec le ministère du Transport. Et puis que je salue au passage, merci à tous. Et l'OSER, nous allons lancer bientôt ce programme, vaste programme qui va couvrir toutes les régions de Côte d'Ivoire. Alors comment les Chinois peuvent adhérer déjà à ce... Et les Chinois seront invités. Ça c'est un, pour la bonne, pour plus d'efficacité, nous avons en vue une journée de réflexion. Tous les Chinois, au sein des Chinois, nous avons toutes les potentialités, toutes les capacités. C'est la chance, c'est la richesse que la Fondation a. Donc nous invitons toutes les personnes qui souhaiteraient participer à la réalisation de ce projet, en commençant par la journée spéciale de réflexion. Et au cours de cette journée, nous allons réfléchir ensemble avec tous les Chinois. Penser à la réalisation de certaines activités. À partir de janvier, et en même temps, les activités même de l'an 4, en août. Déjà, il faut commencer déjà. C'est vous, les Chinois, c'est avec vous, Festival Arafat. Quel sera le contenu? C'est de ça qu'il s'agit. Nous allons en même temps aussi continuer l'an 4, l'an 5, c'est-à-dire les activités de l'an 2023, l'an 2024, et c'est avec vous. La fondation, c'est la jeunesse. Votre mémé, j'ai plus de 70 ans. Que vous le croyez ou pas, c'est ça, on n'a pas peur de son âge. Et ce n'est pas à moi de courir en train de faire tout ça. Nous avons besoin de toutes les compétences, vives, les forces vives. Soutien. Nous invitons les hommes d'affaires, le gouvernement, nous invitons tous ces amis, de long ou de près, ici et d'ailleurs.
La fondation est assise légalement. Ça dit que nous avons tous les documents légaux. Mais nous avons des difficultés. Arafat Didier, le grand qui est célébré à travers le monde, sa fondation n'a même pas un siège en hommage qui reflète vraiment que c'est Arafat. Et c'est ce qui m'écœure. Voilà, quand je vois des gens courir par-ci, par-là et qui restent loin de la fondation, qui sabotent la fondation. Tu lis son image voilà, ici, qui pour se faire de l'argent. Pour se faire de l'argent. Et même sa page Facebook, YouTube, est gérée par des inconnus. Mais allez-y voir sur ces pages-là. Il n'y a rien de la fondation. Il y a aussi un autre là, Didier Arafat Forever. Mm-hmm. Allez-y vérifier. Il n'y a rien de la fondation dedans. L'administrateur, pardon, de cette page, on ne t'a jamais contacté. Mais non, on ne les connaît pas. C'est pas, n'est-ce pas là des sabotages ou faux? Ça ressemble à ça. Mais ça ne ressemble pas, ce sont des sabotages. Et ces organes appartiennent à Arafat. À travers OIP, ce sont les propriétés d'Arafat. Ce n'est plus pour eux. Ils sont en train d'exploiter de façon frauduleuse. Et ça doit cesser. Et sur ce, nous invitons tout le monde. Parce que on a besoin de gros moyens pour travailler. Pour Arafat, pas pour nous. Donc vous tous, vous êtes invités. Le jour J, toutes les personnes qui souhaiteront participer à cette journée de réflexion lancer les activités, futures activités d'Arafat, sont priées de nous contacter au numéro qui sont annoncés au bas à Faya de l'écran. Faya. Oui. Voilà, sur l'écran. Voilà. Dernière question. Et d'ici la fin de la semaine, le début de la semaine prochaine, nous allons déjà arrêter. Okay. Voilà. Dernière question, Mémé. J'aimerais savoir si des personnes décident d'aider la fondation Didier Arafat Forever, où iront les revenus engendrés par la fondation? Les revenus engendrés, ça dépendra. Il a des enfants qui aujourd'hui, il faut penser à eux. Ça dépendra. Maintenant, nous avons besoin des dons pour offrir, la fondation va offrir. Comme vous voyez, il y a tous utilisent le nom d'Arafat, allez faire des dons par-ci, par-là. Si vous avez ces possibilités-là pour faire ça, pourquoi ne pas venir à la fondation? Nous avons besoin de tout ça, nous avons besoin des dons. Le compte bancaire est là et tout. Ceux ou celles qui veulent nous aider peuvent le faire. Et nous avons aussi un compte, le numéro que tu as fait, c'est Orange Money, voilà. Pour les personnes qui veulent. Maintenant, ce que nous allons recevoir, de bonne volonté, les enfants sont dans le besoin aujourd'hui. Il n'y a pas longtemps que j'ai parlé aux enfants, aux mamans et tout. Voilà. Donc, on a besoin, on va repartir ce qui va aux enfants et ce qui revient à la fondation, parce que la fondation aussi a besoin de ressources pour pouvoir aller. Avancer. Par exemple, ce document-là, une copie nous revient à 7 000. Vous voyez la qualité? Ça nous revient à 7 000. Le moyen nous revient à 4 000. Donc, c'est des dépenses. Et tout ça, c'est de notre propre poche. Nous comprenons. Alors, Mémé Dandilou, au-delà de tout ça, aujourd'hui, on vous a reçu dans ce Fafa. On a vu votre cri de cœur par rapport à la fondation, par rapport au comportement des gens et tout ça. Et même, on a fait le tour de la question avec même... ce que vous a confié votre petit-fils, parce qu'il était vraiment très proche de vous, il était sa confidente. Voilà. Et au jour d'aujourd'hui, quand vous voyez, 3 ans après, tout ce qui se passe, les attitudes de certaines personnes, les comportements, car je sais qu'il vous a certainement dit des choses concernant beaucoup de personnes aujourd'hui, quel est le ressenti que vous avez à travers tout ça? Bon, le ressenti, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est encore douloureux pour moi. Y a certaines choses que j'ai du mal à en parler. Et puis, je ne peux pas trop dire grandes choses là-dessus. Et puis aussi, j'ai un projet de livre, d'écrire son livre. Donc, vous allez préférer condenser cela dans le livre, ça serait mieux. Sinon, il m'a dit beaucoup de choses. Il était vraiment en peine, il était vraiment déprimé. Déprimé. Faut le déprimé. Dire, ouais, il était vraiment déprimé. Il était cassé, il était déprimé. Ouais. Je sais que, vous savez, il a pris ça de moi. Je peux être en difficulté, quelles que soient les difficultés, vous allez toujours me voir
élégante, rayonnante, en train de sourire à tout le monde. Mais je pleure dans les bras de mon Dieu. Je me lève le matin, je m'habille comme une princesse, c'est pas permis. Et puis bon, tout simplement, je cache. Je veux pas que quelqu'un, un être humain, sache. Je sache. Et c'est comme ça que le petit était. Mais il allait se cacher quelque part, il pleurait. Mais pourquoi ceci? Mais pourquoi cela? Il avait de beaux rêves. Son rêve, c'était aussi de changer. Il m'a beaucoup parlé aussi des enfants de la rue. Des enfants de la rue, oui. Mais il faut que tu viennes et tout. Puis il sait que c'est mon domaine, l'action humanitaire. Voilà, j'ai des soucis. Des enfants qu'on appelle des enfants microbes ou en conflit avec la loi. Et puis j'ai fait exprès pour le provoquer, puisqu'il aime taquiner. J'ai dit, ben, ces enfants, c'est vrai, mais ils font tellement de mal. Il m'a dit quelque chose qui m'a marqué. Et il m'a dit, mémé, ces enfants, quel est l'enfant qui a pour père appelé conflit avec la loi? Qui est le père? Est-ce qu'il y a un père qui peut s'appeler microbe? Microbe, oui. Ces enfants sont aujourd'hui microbes, c'est la société qui a fait d'eux, des microbes. Et moi, je veux que toi et moi, nous puissions changer leur histoire. Et c'est pour ce faire que la Fondation, nous avons deux volets importants. Il y a le volet humanitaire et le volet culturel. Donc le volet culturel, c'est pour continuer de pérenniser ses œuvres. Voilà. Et puis le volet humanitaire, réaliser ses visions. Pour preuve, au cours de ces tournées de proximité, pour être en contact direct, face to face, avec, voilà, vous voyez, voilà. Donc, c'était un peu ça. Il a même dit dedans, hein, que ce qu'il aurait eu, le gain de ses concerts, une partie reviendrait pour les orphelins. Donc, notre mission, c'est de pouvoir réaliser cela. En tout cas, merci beaucoup, Mémé, d'avoir accepté notre invitation dans ce Fafa. On pense que tu as dit tout ce que tu avais sur le cœur. Et aujourd'hui, on a entendu ton cri de cœur. Je pense que les téléspectateurs aussi ont tous entendu ce que tu as dit. Je lance un appel pour la Fondation DGA Forever afin que tout le monde participe à l'évolution de cette fondation. Merci à tous ceux qui soutiennent déjà auparavant et ceux qui vont soutenir bientôt et ceux qui sont prêts encore à soutenir maintenant. Alors, merci à tous ceux qui nous suivent dans les quatre coins du monde, ceux qui partagent les Fafa. Comme à pour habitude, n'arrêtez pas, continuez de partager. Merci, merci. Big up au PDG Pierrot. Big up à Chikra. L'ouverture bientôt le 1er décembre, habilleurs et chaussures de luxe du côté de la 7e tranche. Merci aussi à Africa Energy, toujours Sola, on est ensemble. Merci chez Kevin. Allez, merci à tous et à toutes. Surtout, n'hésitez pas à toujours partager. Et restez, sortez couverts. Merci.